Ah, le coup de fil qu'on attendait tous, à votre avis, Carole, de qui s'agit-il? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une personnalité politique de gauche, donc pourquoi pas, hein? Non. Sinon Nicolas Sarkozy, encore et toujours. Bon, on va voir si c'est lui. Oui, allô? Guten Tag, Herr Orette. Oh, Madame la Chancelière, bonjour. Il est rare que je puisse m'exprimer directement auprès de la population française. Nous aimons votre pays et plus particulièrement le pays de Beach. Nous sommes ici à la pointe de l'amitié franco-allemande et je tenais aujourd'hui à vous rassurer. À nous rassurer, Madame la Chancelière, c'est-à-dire vous parlez des élections législatives qui auront lieu en septembre prochain en Allemagne? Ganz genau. Nous regardons avec inquiétude la montée de l'extrême droite chez vous et chez nous. Il faut dire que certains de vos dirigeants ne font pas preuve de prudence. Vous parlez de Penelope Gay? Naya, entre autres, j'ai dialogué avec de nombreux politiques chez vous, la situation va se débloquer. Tout cela sera du passé dans quelques jours et vous pourrez à nouveau reprendre un débat constructif. Regardez, chez nous, on discute des problèmes de fond. Nous vous souhaitons d'arriver aussi à cette forme de sagesse. Bah, je pense que vous serez écoutée, Madame Merkel. Ah, moi aussi, moi aussi. Est-ce que vous craignez de perdre les prochaines élections? Non, je ne pense pas. Les dernières enquêtes montrent un frémissement pour les socialistes et pour l'AFD. Mais vous savez, je n'ai pas encore pu me pencher sérieusement sur la campagne intérieure, nein. En ce moment, j'essaye plutôt de régler quelques dissensions avec d'autres dirigeants, mais méritant une attention particulière. J'ai foi en l'avenir. C'est-à-dire? L'Amérique, la Russie, l'Allemagne, la France et l'Europe. Voici le bel horizon pour nos enfants. Oh, quelle diplomatie, Madame Merkel. Ja, je ne lâche rien. J'y reviendrai en visite officielle et vous accorderai une interview sur votre plateau. Ah oui, promis? Ja, pendant la campagne. Ein schöner Wochenende, Herr Horeth. Ja, danke schön. Schöne Wochenende, Angela Merkel. Bon, bah voilà. Vous aurez le plaisir d'interviewer Angela Merkel. Il faut travailler vos questions maintenant. Oui, effectivement. C'est pas tous les jours qu'elle vient dans le pays de Beach sur TV Cristal. Bon, en tout cas, merci Carole d'avoir été avec nous. Vous ne partez pas encore au week-end, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Parfait, bonne soirée. Bonne soirée David. Merci beaucoup. On passe à la partie pratique.